Hello tout le monde, c'est... Iga ? Oh, c'est Asso. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Far Cry 4, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, des cochons. Vous cherchez des cochons ? C'est par ici. Aujourd'hui on va se faire des missions, déjà des missions solo, première chose, et on va aller chez notre ami Longinus, le mec complètement cinglé, qui est à quelques mètres par là-bas. Et on va faire ces missions. Putain, j'aime pas ce son. Il est où? Ouais. Je te tue, moi. Viens là. Eagle. Ouais, je l'ai vu. Il est juste là. Voilà. Ciao. Et on va, ouais, voilà, comme dit, on va aller chez Longinus, le gros cinglé des familles, là. Et on va voir ce qu'il nous propose comme mission. À savoir que la dernière mission qu'il m'a proposé, c'était dans l'Himalaya directement. Et c'était juste trop stylé. Voyons voir. Salut, monsieur le fou. I walk to the valley of the shadow of death. I fear no evil, for you are with me. Psalms 23, verse 4. It is good to see you again, AJ. Are you here to do the Lord's work? I guess so. I have a confession to make, AJ. I fear evil. Not the evil of other men, for that can be dealt with easily. No. It is the evil within myself that I fear. Do you remember my sins? The terrible business that I spoke of? You're talking about the diamonds, right? Yes! And the blood of the lamb washes away all sins. But in order to gain purity, I must repent and make an act of contrition. There are more of these sins here in Karat. And they must be tracked down. Start. By finding a lost sheep. Follow him, and he will lead you to a vault. Bring me what you find within. I got it. And he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, for I have found my lost sheep. Taré. Complètement ouf. Bon, une courte chasse. Ok, soit. Allons à l'emplacement désigné. Ok, soit, y'a pas de soucis, mec, y'a pas de problème. Donc je suis armé comme un cochon. Alors faut le savoir, hein. Eagle, c'est toi le vilain Eagle. Voilà, ciao. Moi je te tue, moi. Et on va y aller en wingsuit directement. Parce que pourquoi pas. Bien qu'il y avait un deltaplane juste à côté, mais c'est pas très grave, on s'en fout, on y va à la mano, nous. Parachute. Ouais, voilà. Ouvre-toi tout seul, y'a pas de problème. Pourquoi tu cours, toi? Qu'est-ce que t'as vu encore, toi? Ouais, allez savoir, on s'en fout complètement. Tuez la cible et prenez la clé pour entrer dans la chambre forte du diamant de guerre. Ah, c'est bon, ça. Avec le plus grand plaisir. Bon, le coffre, on va zapper pour une fois. Non, j'ai dit non. J'ai pas envie de me faire emmerder là. Bon. Voyons voir comment on peut rentrer dans ce truc. Parce que je suis sûr que monsieur n'est pas tout seul. Sinon ce serait trop facile. N'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Trafiquant en approche, attendez-vous. Attendez sans vous faire voir. Ah, oh. Très bien. Bon, on va attendre là. Normalement je suis caché. Filer le trafiquant. Ah ouais, d'accord, très bien. Ah ok. Bon, attends. Merde. Dis-moi que j'ai... Oh non, t'es pas sérieux. Ok. Très bien. Eh bien écoute, y a pas de problème, garçon. Y a pas de problème. Donc reprenons. Ce que je vais faire, c'est que je vais le cibler. Que je ne peux pas faire visiblement. Ah si, ça y est. Voilà. Merde, la bagnole. Oh dur. Monte cucu. Oh putain, c'est pas vrai. Dépêche-toi, il va de nouveau filer le con. Roule. Non, le trafiquant n'est pas trop loin, il est juste devant moi là. Je le vois, je te dis, regarde, il est marqué et tout. Je sais où il est, c'est bon, tout va bien. Je sais où il est, t'inquiète. On va même y aller comme un bœuf. Voilà, toi. Il est juste là.
Donc, comme il faut filer les mecs, on va y aller tout doucement quand même. Faut pas déconner. Bien qu'ils sont quand même assez rapides dans leur conduite, les gars, là. Comme s'ils avaient quelque chose à se reprocher. Vous êtes pas d'accord avec moi? Hein? Ces bandes de vilains. Faut juste pas se faire capter, je suppose. Donc on va rouler tout doux. Ils sont pris à droite. Ok. Et moi, je défonce tout ce qu'il y a sur mon chemin. Y'a pas de problème, toi. Hop, 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 hop. Doucement. Non, vous ne m'avez pas vu. Vous ne m'avez pas vu. Je ne suis pas là, je n'existe pas. Et où va-t-il? Ça, c'est la question. À la crypte, la fameuse crypte. Je fais l'émission de Longinus First. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il y a une arme qui est très intéressante, les amis. À récupérer. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Bon, alors, il faut tuer les trafiquants, il n'y a pas de problème. On va profiter du fait qu'ils soient encore dans la bagnole pour faire ça. Voilà. Ah, il paraît qu'il y a trois gars qui sont pas loin là. C'est-à-dire. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Hein, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu un truc? Moi j'ai rien vu moi. Ouais. Non, je ne sais pas de quoi tu veux parler. Et voilà. Hop. Oh, grenade! Grenade! Et voilà! Alors, y'a des questions? Non? Tout va bien? Parfait, c'est bien ce que je me disais aussi. Voyons voir. Bouton le bonhomme. Est-ce qu'il y a un truc à l'intérieur là? Ah, ok. Mais mis à part ça? Bon, bah en finissant. Ou du moins continuons. Moi, je te dis qu'il y a encore des mecs là-dedans. Et voilà, je le savais. D'autres amateurs? Est-ce qu'il y a d'autres amateurs? Oh, pas de chance pour toi. Et voilà. Salé. D'autres amateurs encore? Non? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je recherche moi dans cette histoire? Quelque part là, non? Voilà. Diamant de guerre, parfait. Prenez la fuite. Ok, elle est où déjà? Elle est où la sortie déjà? Je me souviens plus. Ah, elle est là. Très bien. Oh, mais y a du monde qui nous attend dehors, dis donc. Prenons notre temps, rechargeons nos armes, tranquillou, et allons-y. Voyons voir. Oh là 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 là. Dans la bouche, il s'était pris celle-là. Ah, comment c'était recherche, t'as bien raison. Suivant. Suivant. Piti, 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 piti. Oh. Ah, il en reste un. Ouais, ouais, il y a plein de monde, mais ils sont juste couchés par terre, par contre. Il y a d'autres gars? Non? C'est déjà fini? Oh, vous êtes pas rigoleux, les mecs. Sérieusement, là? Je me serais presque ennuyé. Vraiment. Bon, après, c'est pas comme si on avait des armes complètement cheatées, mais disons. Allez, on se casse. Attends, vite deux secondes. Waouh. Bien, 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 bien. Je suis entouré et je suis encerclé par des bonhommes. Oh, oh. Tu vas pas tirer, toi? Si, tu vas tirer? Ah ouais, tu vas tirer. Regarde, je peux le faire aussi, moi. Ah ouais, ça picote, hein. Ouais, je suis au courant. Je suis au courant. Oh yes! On va y aller en jet ski, les amis. Ou en scooter des mers, ce que tu veux, comment ça s'appelle? Vas-y, fonce, fonce, fonce. Wouhou! La classe, toi! Et super maniable, le truc. Ah tiens, je suis pas encore allé sur cette île. Il y a deux coffres. Bon, on fera ça une prochaine fois. Encore que, faut se faire plaisir, hein, remarquez, on est juste à côté. Hop. Et j'ai vu un truc. Ah, je sais jamais comment ça s'appelle ce machin. Une roue, roulette de droulette de je sais pas quoi. Attends, voir. Donne-moi son nom. Le moulin. Ouais, pas une roulette. Ouais, j'étais presque. Le moulin à prière, tout à fait. On va aller récupérer les deux coffres qui sont là-bas très rapidement également.
en profiter pour recharger les différentes armes. Pas besoin de recharger, très bien. Eh bien soit, soit, il n'y a pas de souci. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce qu'il y a... Il n'y a personne, très bien. Bon bah, ok. Je me suis dit... coffre, ouais, juste là. Merci. Suivant, s'il vous plaît. Ici à l'intérieur, laisse-moi deviner. Ouais, j'ai gagné, parfait. On se casse. Et oui, l'arme de Longinus qui nous propose une fois qu'on a fini ces 4 missions, c'est juste du gros n'importe quoi. Et j'ai vraiment hâte de l'avoir, histoire de vous montrer un petit peu les dégâts du truc. C'est complètement dingue, c'est juste n'importe quoi. Et c'est ça qui est vraiment rigolo. Maintenez eux pour pousser. Bah ouais, bah pousse-le dans l'eau peut-être, ça sera plus simple, non? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Et on est reparti. Petite marche arrière, je ne savais pas que ça existait sur ce genre de véhicule, mais disons, pourquoi pas, hein. Why not? Ouais, ouais, presque. Salut. Alors, il y a un coffre là, et j'ai pas vu le deuxième, qui était quelque part sous la flotte, très certainement. Je l'ai eu ou pas? Ouais, voilà. Viande de yak, super. Et on est parti. Et là voilà, mission finie. C'était du rapide ça. Et qui planque des roupies dans cette petite grotte derrière sa maison. Y'a de l'argent quelque part? Y'a de l'argent quelque part. Faux, y'a pas d'argent. Menteur. Menteur. Longinus me propose plus mission du coup? Voyons voir. Non. Ok. Ah, si, là. Ok, toi. Oui, oui, j'ai vraiment focus Longinus parce que ce qu'il propose, c'est... Alors, je vais vous montrer. Je vais vous la montrer directement. Et une fois qu'on l'aura, vous allez voir, ça va être très rigolo. On va pouvoir s'éclater à faire des trucs. Ça va être n'importe quoi, vraiment. C'est dans armes, c'est ça? Oui, c'est ça. Le LK-18... 10-18, pardon. Terminer 4 quêtes de Longinus et on débloque ceci. En fait, en quelque sorte, c'est un lance-roquette, mortier, un peu bizarre. Vous avez déjà peut-être pu voir que quels dégâts font les mortiers. Et bah c'est ça, mais en portatif. Donc autant vous dire que, hein, bon voilà, ça peut être extrêmement rigolo. Et je me suis dit que c'était pas mal du tout de débloquer cette arme dans un premier temps. Bien. Est-ce que ce sera tout? Soit. Il est où mon pote Longinus là? Qu'on aille enchaîner. Quelque part par là. Eagle? Le réflexe toi. T'entends un aigle directement, tu mets la tête dans le ciel. Normal en même temps. Hein. Tout à fait normal. Il y a un cadavre de bestiaux qui est là. Ce qui signifie qu'il y a des vilains bestiaux dans le coin, probablement. Voilà, je le savais. Nah, Tiger. Bien, Longinus. Rebonjour. Qu'est-ce que tu proposes cette fois? Pauvre fou. AJ, if any man has an ear, let him hear. Revelation 13:9. I am preparing my sermons. That's a lot of sermons. All mankind will fear. They will proclaim the works of God and wonder what he has done. As for you, there is another lost sheep to track down. Locate him, follow him, and bring back what you find. Okay, soit. Dédommagement. Où est ma cible? D'accord, très bien. Voyons voir. Est-ce que c'est loin ça? Non, c'est pas trop loin. Je vais peut-être y aller en véhicule dans le doute où je dois de nouveau suivre le mec. Au moins j'ai de quoi me déplacer. Oh. Salut les gars. Ça va ou quoi? Non mais regardez-moi, ils m'ont même pas vu ces gars-là. Ah bah c'était du vite fait. Comme si vous aviez besoin de moi, les gars. En général, c'est la dame qui donne.
Namaste, Ajay. Non, c'est pas toi pour le coup. C'est pas le monsieur. Ah bah si, c'est le monsieur, tiens. 13 500 balles. Ah bah ça va toi, tranquille pour t'avoir donné un petit coup de main en tirant deux mecs vite fait et quelques balles. Ça va, c'est honnête. Plutôt sympa. Et surtout vous, n'aidez pas vos potes qui sont juste 100 mètres, même pas 100 mètres plus loin, qui sont en train de se faire attaquer, hein, surtout pas, hein, y a pas de soucis. Bah, nul, nul, vous servez à rien. Trafiquant en approche. Ok, trafiquant en approche. Ah, merde. J'avais pas le choix. Ok, donc on va devoir y aller à la flotte. Parfait, ça. Je peux pas le tuer directement? Non, c'est dommage, ça. Oui, c'est vrai qu'on prend pas de dégâts quand on est quand on saute dans la flotte directement. Par contre, il va de nouveau s'échapper si je ne me magne pas. Allez, vite. Vas-y, roule. Ouais, enfin, roule, navigue plutôt. Mais fonce quoi. Non, le trafiquant n'est pas trop loin, il est juste là. Tout roule ma poule. Il y a un truc là sous la flotte. Bon bah ça par contre, j'ai pas le temps, ce sera pour une autre fois. Et je te dis qu'il est pas trop loin, il est juste devant. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Je le vois le bonhomme, tout va bien. Par contre les potes là à droite, non c'est bon. Ils vont tous au même endroit, tout va bien. Le trafiquant, y a pas de problème garçon. Voilà. Et le trafiquant est déjà tombé. Non 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 non, tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, je suis mauvais. Encore? Voilà. D'autres amateurs? Est-ce qu'il a d'autres amateurs? Apparemment oui, quelque part par là, alors on va tirer au pif. Pas touché. Peut-être touché, je ne sais pas, on s'en fout, on verra bien. Ah, ah, oh, ok toi. Eh voilà. D'autres? On dirait hein. On va devoir nager pour aller récupérer le cadavre de l'autre parce que forcément il s'est noyé. Comme un gros con. Bien le bonjour. Hop 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 hop, voilà. Clé de la chambre forte, très bien. Entrons dans la chambre forte. Allons-y. Où est-ce qu'il y a les touristes ici? Y a pas? Ah si, y a. Regardez. Voilà, ciao. Laisse-moi deviner, c'était le seul qui restait. Ah non. Oh. Bien, 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 bien. Oh là là. Bien. Allez, encore. Encore deux petits, juste là. Aïe. Ah ça picote hein, oui je sais. Si tu sors pas de ton trou, je vais te faire sortir de ton trou moi. Oh grenade. Eh ben ouais, eh bien oui. Ah ouais. Bah moi non plus hein, figure-toi, tu ne m'effrayes pas. Eh ben voilà. Bah non, mais alors arrête de faire ton héros s'il te plaît. Parce que bon, hein, finalement. Il y en a d'autres tout de suite? Non? Très bien. Bah continuons. Continuons. C'est un coffre à... Non, c'est pas un coffre à récupérer ça. Ok, soit... Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ici? Ah! T'as y mettre. Eh, tu parles proprement toi là-bas. Bien. En plus je suis super discret avec ma lampe hein. Vous êtes pas d'accord? Waouh, ça fait un sacré paquet de blé ça. Ça fait du bif ça. Et on peut pas juste en prendre un petit peu? J'ai plein de place dans mon sac. Non, ça marche pas ça. Eh bien c'est vraiment dommage. Allez juste un petit, c'est bon hein. Un petit. Non. Damn it. Ouais non, on va pas lui poser la question puisque le monsieur est étalé par terre avec la bouche ouverte. Ah, je me suis dit que ça allait faire ding ou je sais pas quoi. Non, je suis déçu. Eh, hey, mec, c'est de l'autre côté qu'il faut regarder, c'est pas juste en face. Understood.
Oh là là, je suis mauvais. Et pourtant c'est la grenade hein. J'ai réussi à le louper au lance-grenade. Ouch. Qu'est-ce qu'il veut lui? Oh, il est solide garçon. Voilà, tu dégages. Ok, suivant. Il en reste un qui est juste devant mon nez. Oh, oh, oh. Oh, ça t'a calmé ça hein. Oh, je suis assez d'accord avec toi. Et le gros sac qui était vraiment un gros sac solide hein. Incroyable ça. Bien. Par où qu'on se barre maintenant? On s'en fout un peu hein. Par là. Apporter le diamant de guerre. Ah, stop, hold on. On va récupérer un de leur bateau directement. Oh merde, et, oh dur. Avant ça, il y avait autre chose à récupérer au centre là. Le moulin de prière. Eh, pour une fois, j'ai pas oublié le mot. Oui, parce qu'entre temps, j'aurais pu oublier le mot, on est d'accord. Et ma mémoire, encore une fois, vous connaissez. Hein. Pas génial, génial. Ok, c'est juste là-bas, toi. Facile. On est parti. À fond les ballons. Et on va se retrouver de nouveau sur la rive. Parce que je vais y aller comme un sac. Et j'espère limite rentrer dans le bâtiment. Oh non, c'est un peu loin là, peut-être. Oh, je suis désolé. Vraiment. Il paraît qu'il y a un. Il paraît qu'il y a un truc par là-bas. Voyons voir. Allons récupérer ça directement. Hop. Et sous la flotte. Ah, c'est vachement bien, on voit rien. C'est cool ça. Ok, c'est juste là, très bien. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va pas mourir sous la flotte comme un gros con toi, je te préviens. Bah si tu remontes plus vite, ça passe. Voilà. Ok, voyons voir. Non, faux, ça. Y'a un truc qui fait que je respire plus sous l'eau, c'est quoi? Confectionne une seringue pour courir et nager plus vite. Respire sous l'eau plus longtemps, c'est ça. Comment ça s'appelle? Concentration. Ok. Et je ne peux pas m'injecter de seringue ici. Bon. Eh bien très bien. Alors bah tu vas y aller quand même. Et puis c'est tout. Où est-ce qu'il est ce masque? Masque s'il te plaît. J'ai vu un féchelet avant, un chefflet. Ce qu'on dit chez moi c'est un. Donc c'est un bateau qui est. Ah qui est là. Merde, putain il va de nouveau crever sous la flotte ce gros con. Oh allez monte là. Allez, ça va. T'inquiète, tu vas pas mourir. Enfin peut-être remarque, mais je compte sur toi. Vraiment, je compte sur toi. Là. Là ça me paraît bien. Obligé quelque part par là, dépêche-toi, dépêche-toi. Mais nage plus lentement sinon. Parfait. Et maintenant ne meurs pas. Non vraiment, ne meurs pas. Allez, allez. Ah, bien, good boy. Et t'as le droit de revenir à la nage. Exactement. Wow. Il y a deux trois petits bugs graphiques là vite fait. C'est assez bizarre. Mais bon. Mais bon, ça passe, ça passe. Pendant que mon jet ski là-bas, il est complètement complètement retourné. Énormissime. Ouais. Sympa toi. Et maintenant. Déjà on va arracher le poster là parce que c'est la pub, ça va 5 minutes. Et nous y voilà. Oh yeah. Parfait toi. Deux missions de fête. Voyons voir, est-ce qu'il propose autre chose cet amigo? Ou est-ce qu'il propose des missions un petit peu perdues je ne sais où? Ah. Eh non. C'est dommage ça. Enfin à moins que je ne le vois pas. Non je ne le vois pas exactement, donc il n'est pas là. Donc pour l'instant je suis limité. C'est bien dommage. Allons voir ce que Yogi et Reggie proposent avant la fin de cet épisode, les amis. You're the one who saved me before. Ah ouais? I thought it was a trick. Non, non, moi j'ai rien fait du tout, moi. But it's not. Non, c'est pas un trick. Eh bah t'as pas de chance, allez, faut que j'y aille moi, salut. Ah bah vous tombez super bien vous, arrêtez-vous. Aïe.
Ouch, merci. Maintenez E pour réquisitionner. T'as pas besoin de ta voiture? Ah bah ça fait plaisir. Bon, tu m'auras quand même percuté avec, mais... Allez. Salut, hein. Je te remercie pour la bagnole, ça fait plaisir. Et nous, maintenant, on va aller voir nos deux nouveaux amis. Je ne les ai pas encore vus. Il me semble. Dans mes souvenirs. On va voir ce qu'ils ont à offrir, ces gens-là. Il y a également 4 missions à faire chez eux, il me semble. On va couper, hein, parce qu'on va une autre. De toute façon, c'est pas ma bagnole. L'enfoiré, tu sais. Ne me prêtez jamais votre voiture. Parce que je sais pas ce que je serais capable d'en faire. Ils sont vraiment là-haut, perdus dans la montagne, là. Ouais, faut croire. Tombe pas dans le vide, c'est bien. Voyons voir. Ouais, c'est bien ça, ils sont bien au sommet de je ne sais quoi, là. Oh, c'est magnifique, regardez-moi ça. Super beau, toi. Ça envoie des bûches. Bien le bonjour, messieurs, dames. Où est-ce que je peux trouver Yogi le ouf? Propriété des galets. Bienvenue chez WAM, quoi, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est intéressant. Je suis chez moi. Trop de la bombe. Alors déjà, il y a un truc là. Journal de Mohan Galet. Un petit coffre. Voilà. Et rentrons chez moi, j'ai envie de vous dire, puisque c'est un peu chez moi. Il y en a un qui squatte apparemment. Encore des cinglés. Welcome, my brother. You've come to a place of peace, where the demons of modern life cannot reach you. You are safe here. Oh, our friend, Omnomshiva, comes from afar, seeking answers. We can give him those answers. For a nominal fee. Right, nothing in life is free. I'm sensing... We are sensing. You want to know who we are? Right, I'm Yogi and this is Reggie. But you, stranger, you... You're the son of a legend. I see a world of danger and a mother with a blackened heart. Hey, Jigil! Welcome to Guru Ashram! What are you doing here? This is my parents' house. Why don't you guys get out? Oh, what? Why does he want us to get out? I don't know. Ask him. You ask him. Hey, I'm right here. Oh, he's right here. Good for him. He knows where he is. Okay, welcome. Come in. Yeah, after all, tu casse, tu casse. We'll clean up. We'll be out momentarily. But first, let's have a little peace pipe where we hash out the details. You're into this sort of thing, right? You know what, I think I'm okay. So what are you guys doing here anyway? IJ, we represent the interests of a certain power broker. Right, she'd like to press the flesh, as it were. A little meet and greet. You being the meat. Well, we tried the carrot. Guess he wants the stick, then. Hey! What the fuck? Ça picote, ça. Ok.
Qu'est-ce que c'est que cette blague, toi? Ça dépend, j'ai le droit de parler ou pas? Je vais mon avocat. Oh la merde. Some people believe you can make a difference here, AJ. This is the moment of truth. Look to your feet when you hit the arena. There'll be a blade hidden in the sand. If you do not survive, there's no hope for you or I. Ok. Salut toi. Tu feras attention, t'as pas de top, hein. Ok, très bien. Super. Et c'est mon amie Nour que je vais défoncer tout à l'heure. Parce qu'elle mérite, très clairement. Manche une. Ah. Donc du coup j'ai quoi moi? À part bah j'ai que ça en fait. Oh merde. Oh la vache, oh la vache. Donne-moi son arme. Donne-moi son arme. Voilà. Très bien. Bon, il est où le souci maintenant? Pas de grenade, rien du tout. Je suis complètement walp. Plutôt de lancer. Très bien. C'est toujours ça de pris. Salut! Putain, j'ai pris super cher. Wow. Enfoiré. Dégage. En fait, c'est le couteau de lancer que je voulais et j'ai pas du tout vu le couteau de lancer. Oh, elle est précise cette arme, dis donc. Bien. Ah, ça picote, hein. Merde, j'avais une seringue, t'es pas sérieux, j'ai pas fait attention toi. Bon, c'est pas grave. En même temps, c'est pas comme si j'étais armé jusqu'aux dents déjà. Ok, plus de mine. Ciao. Tu vas rien cut du tout toi. Eh bien, c'est tout ce que vous avez là? Allez, amenez-vous. Moi, je suis chaud, moi. Amenez-vous. Manche 4? Ouais, y'a pas de problème. Ouvre la porte. Non? Oh là. Oh la vache. Yes, pleine tête, toi. Au couteau de lancer. On va se soigner rapidement. Et on va réattaquer la suite de deux épisodes là. Ah ouais, bah tiens, en fait vous bouffez par le tigre, ouais. C'est bien ça aussi. Moi j'ai plus qu'à finir le tigre. Enfin, si j'arrive à viser. Wow. Très bien. Ah, c'est moi ou c'est pas moi? Dit-il le mec alors qu'il s'est planqué depuis le début du combat, ça. Ouais bah quoi, bah il faut bien des fois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, il y avait des barils à faire exploser aussi, ça aurait pu être sympa ça. Elle est où la Nour là?
Ouais, y'a pas de problème, je prends. Vas-y, amène-toi. Oh. Oh, 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 oh. Ok, soit. Peut-être que j'ai pas vraiment envie finalement. Je l'ai complètement foiré l'autre. Oh mais je l'ai. Enfin je l'ai complètement foiré et finalement. Ça s'est pas si mal passé que ça toi. Qu'est-ce qu'il veut lui encore? Ah merde, je l'ai loupé. Oh là là, toi ce carnage à la fin. Thank you very much. Merci beaucoup les amis. Oh c'était un viol à la fin toi. Même pas peur. Vas-y, encore. Encore. Ouais, on referme la braguette, c'est peut-être mieux. Walk with me. You tried to kill me. And now I'm not. You know what? Fuck you. Stop. Wait here. Just listen, please. Paul has my family. Until I know they're safe, I'm trapped here doing whatever Pagan wants me to do. What does this have to do with me? The Golden Path wants Paul dead. I need my family safe. We can help each other. How? I can get you back into a stronghold. Oh, and AJ. Take it easy on Reggie and Yogi. They're being played, just like you and I. Ouais, si tu le dis, le mec, il m'a quand même... Bon. Bon, je vais y réfléchir. Et maintenant, comment ça se passe? Hein? Shanat? Ouais. Êtes-vous prêt à pénétrer dans l'arène de Shanat? Survivez, devenez un héros acclamé de tous ou mourrez comme un lâche. Trois différents types de défis vous attendent, des combats en mode... Un mode infini et des défis d'armes. Ici vous rendez de champion légendaire et remportez de prestigieuses récompenses. Ok. Oui c'est moi, oui. Ouais, j'ai... Bah non, j'ai failli crever d'ailleurs, toi. Ok. Et ben je crois que c'est... Oh, oh, oh. Sympa, toi. Et si moi je te poussais en bas aussi, là? Ça marche pas. Yeah! Trop stylé, toi. Bon. Du coup... Oh, dégueulasse. Moi, je plonge dedans, c'est bravo. Du coup, la mission est terminée, donc... Ouais, absolument. J'ai pas tout à fait compris pourquoi on m'a envoyé dans cette arène, mais disons c'est pas très grave. Et l'arène est ici, donc arène de nous, présentez-vous dans l'arène, etc., etc. Des classements en ligne, ouais pourquoi pas, ce serait un truc à tester ça plus tard. Mais c'est ça les amis, ce sera pour un autre épisode, moi je vous laisse ici pour celui-ci. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Voilà. Ah non, je refuse. Et je sauve un citoyen, enfin du moins j'aide un citoyen en récupérant son bien. Et toi qu'est-ce que tu fais? Tu me fais chier? Non, je suis pas d'accord.